Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour confronter Benzema à Ronaldo dans le cadre de la série de vidéos sur le Ballon d'Or. Ces deux joueurs ont été énormes lors de la saison précédente, mais je ne les vois pas être les gagnants. Par contre, ils seront clairement dans le top 3, voire le top 5, donc ça va être intéressant de savoir qui a été le meilleur en suivant les critères du Ballon d'Or. Mais comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le joueur qui joue actuellement à Monaco et qui a déjà joué au FC Barcelone. Il s'agit évidemment de Sergio Fabregas, très fort manieur de ballon. Bravo à LJD d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il rejoint le classement avec ce premier point gagné. Pour la question du jour, ça va être: citez-moi au moins 4 clubs où a joué Ronaldinho. Alors je vous rappelle comme d'habitude rapidement les critères du Ballon d'Or: palmarès collectif et individuel, classe du joueur, en gros le talent et le fair play, et enfin la carrière du joueur, alias le critère le plus injuste qui existe. On débute avec le championnat. Ronaldo a fini 4ème en Serie A, à un cheveu de rater la place qualificative en Ligue des Champions. Benzema a fini 2ème en Liga en jouant le titre jusqu'aux dernières minutes du dernier match. Ronaldo a fini meilleur buteur avec 29 buts devant Lukaku. Benzema a fini deuxième derrière Messi avec 23 buts. Ronaldo a mis seulement 2 passes décisives, Benzema en a mis autant que Messi, soit 9 passes décisives. Je mets un match nul pour les deux sur ce point là. Certes, Benzema est devant au niveau du classement et des passes décisives, il a également été plus décisif que Ronaldo si on somme les buts et les passes D, mais Ronaldo a tout de même 6 buts d'avance, et finir meilleur buteur avec une équipe qui a autant faibli montre qu'il a été très important. Et malgré que Benzema a de l'avance, vu qu'il n'a pas le titre de champion, ça a moins de valeur. On poursuit avec la Ligue des Champions. Ronaldo s'est fait sortir dès les 8e face à Porto. C'était totalement honteux de sortir aussitôt face à une équipe moyenne. Benzema est sorti en demi-finale face au champion Chelsea. Ronaldo a fini avec 4 buts et 2 passes décisives. Benzema a fini avec 6 buts et 0 passes décisives. Le point va clairement pour Benzema, il n'y a pas de débat au niveau de la Ligue des Champions, même s'il faut noter que Ronaldo continue d'être décisif sur sa compétition préférée. On continue avec les coupes et les supercoupes. Ronaldo a gagné la Coupe d'Italie face à l'Atalanta. C'est le premier titre de champion dans cette comparaison. Benzema s'est fait sortir en 16e de finale par une équipe de Détroit. C'est évidemment une honte pour le Real de sortir si tôt et par une équipe si faible. Ronaldo a également gagné la Supercoupe d'Italie en étant décisif avec un but inscrit. Benzema a perdu la Supercoupe d'Espagne en demi face à Bilbao. En Espagne, la Supercoupe se joue entre 4 équipes, donc c'est également une déception pour le Real et pour Benzema. Ronaldo l'emporte clairement sur ce point-là, ça lui fait 2 titres de champion et Benzema 2 déceptions. On continue avec l'Euro. Ronaldo s'est fait sortir en 8e par la Belgique. Benzema s'est également fait sortir dès les 8e mais par la Suisse. Ronaldo a fini meilleur buteur avec 5 buts et une passe décisive. Benzema a fini avec 4 buts en 3ème place. Ronaldo gagne le point de l'Euro puisqu'il se fait éliminer par une grosse équipe et surtout parce qu'il finit meilleur buteur, mais la différence n'est pas énorme au niveau de l'Euro. On passe maintenant aux critères de la classe du joueur. Benzema surprend de plus en plus sur le terrain, il monte en niveau et propose un style de jeu d'attaquant assez unique. Il se propose beaucoup pour participer au jeu. Ronaldo reste Ronaldo, toujours aussi talentueux et doué pour sentir le foot. Il continue de nous proposer des séquences et des combinaisons de jeu incroyables. Vu le niveau de jeu que les deux joueurs ont actuellement, si je devais les recruter pour mon équipe, j'aurais beaucoup de mal à me décider entre les deux, donc je dis un match nul. On termine avec le critère de la carrière, critère malheureusement incohérent et injuste. Le point va pour Ronaldo qui a évidemment gagné bien plus de trophées que Benzema, même s'ils en ont partagé la grande majorité vu qu'ils ont passé beaucoup d'années au Real. Pour ce duel là, je vois donc Ronaldo devant au classement du Ballon d'Or. Personnellement, je pense qu'il sera dans le top 3. Maintenant, on a vu que Benzema n'est pas si loin que ça, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans le top 5 et je le lui souhaite. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous, proposez-moi des duels en commentaire, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.